Ouais, l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour parler du match Bosnie-Herzégovine contre la France qui s'est terminé sur le score de 1-0 pour la France. Donc, moi j'ai pas vu le match encore une fois parce que ouais, j'ai cours. Donc, j'ai pas pu voir le match. Donc, voilà, c'était le dernier match avant la reprise des championnats européens. Donc c'est un but de la tête de Griezmann sur corner. Donc encore 3 points, encore 3 bons points de prix. Donc voilà, ça me fait sourire parce que ça, voilà quoi, ça me fait du bien de voir une équipe de France qui retrouve cette joie, car on sait qu'ils avaient fait match nul contre l'Ukraine. Et ça va vraiment démotiver les joueurs, mais là on revient en force, on a gagné contre c'était contre qui déjà avant la rencontre là, je sais plus, enfin bref je sais plus, mais voilà, donc ça fait deux matchs gagnés de suite. Donc ça fait plaisir. Après là, ce week-end, dimanche, c'est OM Dijon. Donc, l'OM doit prendre les 3 points. Il y a toujours... là, il y a une nouvelle rumeur qui est sortie. C'est Adrien Rabiot. Mais Adrien Rabiot qui pourrait rejoindre l'OM. Enfin, c'est une rumeur, hein, comme Bernadette qui aussi, c'est une rumeur. Donc voilà, c'est encore une rumeur. Mais franchement, même si c'est vrai, j'en voudrais pas. Donc voilà. Donc voilà quoi, la France qui s'impose contre la Bosnie-Herzégovine. Voilà, je sais pas, j'arrive pas, je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, voilà, à propos de l'OM. Payet a perdu du poids, a maigri, mais voilà quoi, à mon avis ce sera toujours le même joueur vu que voilà quoi, il a plus les mêmes jambes que qui avait 2 ou 3 ans ou même plus. Donc voilà quoi, on va voir ce que ça donne dimanche. Ça va pas être facile de battre Dijon, même si je pense qu'on a là l'équipe pour, vu que Dijon est en bas de classement. Du coup je pense qu'ils vont essayer de pas perdre contre nous, parce que ça serait vraiment terrible pour eux parce qu'ils sont en bas de classement. Donc ça va être difficile de gagner contre eux car ils jouent le maintien. Mais nous, si on joue bien, franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais en tout cas, je vois peut-être bien à 3-0 pour l'OM. Mais après, c'est à voir. C'est à voir dimanche quelle mentalité d'esprit on joue. Donc voilà. Et bravo encore à la France qu'ils ont gagné hier. Contre la Bosnie et Herzégovine, allez la France, drapeau de la France. Donc sur ce, je crois que j'ai plus rien à dire. C'était une petite vidéo comme ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, à partager, à commenter. Sans ça, moi je vous dis ciao.